Bonsoir à tous, bienvenue sur Larius TV, content de vous retrouver en cet après-midi, vous avez vu, très ensoleillé. Il fait très beau, hein, par chez nous ici en Ile-de-France, et vous, à vous de me le dire, les températures dans vos villes respectives, c'est important pour moi de savoir pour mettre le mental. Puisqu'on va démarrer tout de suite avec un matchmaking avec les Français. Sur 2-2, on va voir comment ça va se décanter. En tout cas, bien à vous, je vous aime. Gris des gris, blin des blin, on enverra les génériques plus tard. Ah non, c'est bon, on m'entend sur Discord. Oh, oui, on t'entend. Ah, c'est bon, j'ai configuré. Eh, hey, Lulochi, tu sais quoi, je te défends. Depuis tout à l'heure, il te parle mal. Non, tu fais peur. Oh, ça va là. Quoi, je te fais peur? Ah, il y en a un. Attends, mais depuis tout à l'heure, à vrai dire, je carry les rounds, non? Je trouve pas. Je m'en bats les couilles. Comment ça? Oh, ok. T'es sérieuse, là? Bah, je crois Michto, moi. Ça, Michto, c'est une fille, un minimum de bon sens et de complaisance. C'est tout, je suis courtois, non? Non. Oh, c'est bien, mec. Tu dis du bon gros vocabulaire, c'est bien, mec. T'es chaud. En vrai, tu m'impressionnes. Vas-y, ça va, salope, ils sont deux. Par contre, c'est la première fois que je tombe sur une meuf qui est plus vulgaire que moi. Ouais, mais c'est ah, et pour l'instant, tu n'as encore rien vu. Ou rien entendu, devrais-je dire. Ouais, ce genre de meuf, c'est elle qui te ride, c'est elle qui te baisse, je dis, frère. Bon. Ok. Ah, t'as quel âge? Okay. T'as quel âge? Je sais pas, moi, j'aime pas que tu saches. Je t'en perds pas. Bah alors, respecte-moi. On va pas te le dire, d'accord. Je t'ai parlé normal, tu me respectes, c'est tout. Je te parle bien, là, tranquille. Oh, ah, t'es du sud, bien. T'as l'accent chantin en fait. Mais c'est quoi ça, vous portez des mots? Je sais même pas ce que c'est. L'accent du sud, c'est ton accent. Allez les gars, tous ensemble, on va pouvoir le faire. Ouais. Eh, tu te lubrifies la chenec avec de l'huile Puget ou quoi? Oh, c'est génie. Oh, les gars, calmez-vous. Oh, c'est pas possible, c'est trop génie. Pourquoi tu tires partout sur les gens? Parce que justement, il est trop chaud. Là, quand t'es chaud à ce moment-là, t'as l'adrénaline et tout qui permet regarde, de. Regarde, mets-toi sur ma ville, Oshie, et suce mon gun. Regarde. Ta gueule. Oh, le génie. Comment ça, ta gueule? Eh, mais c'est... t'es meuf, t'es une capricieuse en fait. Eh, genre, t'inquiète, genre de meuf, ça sent un peu difficile, tu vois. Laissez-moi du temps, les frères. J'arriverai à mettre. Attention, tu fermes ta gueule. Quoi? Comment ça, t'as 14 ans, à ta voix, arrête, t'as une voix de chômeuse. Tu dois avoir 25 ans, c'est typique. Pas de soucis, parce que t'as une voix de chômeuse, là, c'est sur... marrant. Non, mais les gars, rassurez-moi, là, pas. Tranquille, là. Ah, si, si, c'est vrai. Malheureusement, si. S'entend quand même à savoir d'où est. C'est pas grave, c'est pour mon petit frère Bilal. Ça t'intéresse, il a 15 ans. Tranquille. Oh, mais ça ouf ce gars! Moins 86 chances. Tranquille, c'est un génie sans lettre. Ouais, je te passe sur Steam. Il s'appelle Bilal. En plus, ça, ils vont se bordeler avec Steam. T'es génie! Mais quoi, t'as jamais dragué une meuf sur Steam, toi, c'est bouffon. Eh les gars! Je peux plus, c'est trop des génies! Il y a le chien là. Il y a des pédophiles qui veulent la drogue. Eh, ferme ta gueule, je suis pas un pédophile, gros. La seule moi, j'ai pas de mentir, on a vu des gens comme elle ça. Avait 17 ans, et alors? Bah, les coups, c'était une chose de lol. Eh, parle bien, moi, je te dis. Ah, vous êtes des ouf! Et parle-moi bien, parle-moi. Elle veut quoi, la meuf de 14 ans là? Va te prendre un bécherel dans la chenille qu'on veut parler. C'est toi qui as besoin de vocabulaire, c'est pas moi la faute de toi. C'est si tu me respectes. Respecte-toi pas, je te. Arrête de bégayer, non? Merci. C'est pas possible! J'ai tombé sur quoi aujourd'hui là? Après, je vais partir sur un petit arrière-cas. Oh, je pense que cette game est très bien pour mon mental. Ouh. En plus, on va gagner, tu vois. Vous gagnez parce que je suis smurf, hein. Il y a juste ça. Hein. Oh, mais qu'est-ce que. Oh, c'est bon, vas-y, ça va être trop fun. En fait, on a un gars, il est trop chaud. Et on a une fille qui est trop nulle, mais qui essaie quand même de se montrer. Laisse-moi la meuf, c'est pour mon petit frère. Laisse la meuf. Tranquille, je te dis direct. Vous lui parlez mal depuis tout à l'heure. Mais parle-la bien, je te dis. Respecte-la. Sinon, je te reporte. Je te reporte, tu sais quoi. Ah, vas-y, réponds-moi, j'en ai rien à foutre. Ah, c'est trop un génie! Non, non, non. Un enfant de 15 ans, au calme, je vais bien encaisser ton TK, sale bâtard. Oh oui, t'inquiète. Y'en a un mid. Fils de pute, ta mère, je l'encule. Eh, DGS, c'est derrière, hein. Ça se passe derrière. Tu parles à qui, la vieille schneck, là? Mon mec qui m'a tué. Ah, ok, d'accord, chill. Y'a moyen après la game, on se parle. J'ai mon petit frère qui est dispo après sur Discord. Je m'en fous, ton petit frère. Ça va, il a 15 ans, tranquille, il est BG, hein. T'as quel âge, toi, gros? Toi, je peux travailler dans mon grand-père, c'est pareil. Moi, j'ai 26, tranquille, pourquoi? Tu veux faire quoi avec moi? Je vais faire quoi?
C'est mon grand frère qui continue à casser les pédales. Ouais, tu as appelé ton grand frère. Ouais. Je sais pas, c'est pas grand frère. Je parle à ton grand frère direct, je parle même pas à toi, tu sais quoi, passe-le moi sur Steam, vas-y. Non mais en fait c'est qu'il est casse-couille le gars, c'est que son mythique ça transmère. Là tu commences à être énervé parce que depuis tout à l'heure tu fais du 3-12, commence pas à t'énerver, t'inquiète pas, je suis là pour t'arriver. Mais je sais que je suis nul, je l'ai dit dès le début hein. Bah alors quand t'es nul tu fermes ta gueule. Mais c'est ferme ta grosse gueule. Les gars c'est qu'un jeu, on s'en fiche. Eh calme, si vous voulez pas vous parler vous mute, tranquille et puis c'est tout. C'est lui, sa grosse mère, il casse tes La meuf, elle a même pas un semblant de niveau, elle ouvre depuis tout à l'heure sur le Discord, tout le monde la clash. Commence pas à me parler maintenant, je suis pas ton pote. Si, ouais, je te demande juste de pas me juger. Allez, voilà. Je te demande pas de me juger sur mon accent, je te dis direct. Mais what? Pourquoi il me lance? Ah ouais, mais c'est un génie. Lui, tu vois, c'est genre de gars, on lui parle de carottes, il commence à parler de son accent en haut. Vas-y. Ah, mais c'est un mec là. Putain, elle est goldmoké, les gars. Sa grosse mère. Allez. Je veux bien que tu me parles de salsifis, je veux bien que tu me parles de légumes, mais tu me parles pas de carottes, je te le dis direct. Tu me parles pas de carottes. Ouais, désolé, je te parlerai plus jamais de carottes, mec. Ouais, j'avoue, la carotte, là, c'est pas ouf. La carotte, c'est pas ouf. C'est un génie. Genre, derrière toi. Eh, va sucer un salsifis, là. Non, le salsifis, c'est pas ouf. J'aime pas trop. C'est un génie. Ouais, je pense pas que je vais passer par là, parce que là-bas, ça pue. C'est un génie. Mais surtout, il y en a un mille. Ça pue la carotte. Ah, ça suffit. Oui, je vais le mute, les gars. Oui, je vais le mute. Merci à tous ceux qui s'abonnent en parallèle. Bah, vous Jack, pour ce clutch. Merci, Saryoda. Merci, c'était pas trop. J'ai juste eu de la chance, les gars. Et encore, j'ai pris une sale tête. Ah, bah, oui, clairement. On la mettra. Ah, mais, allez, on avance. Avec un peu de chance, je sais pas. 3, 2, 1. Salut, les gens. S'il vous plaît. Et n'oubliez pas de vous abonner. C'est très important. C'est que je suis un génie. Merci. Il est où? Tu parles trop vite. Il était là. Je pense qu'il est juste là et qu'il va peut-être passer le mec sa tête. 3, 2, 1, étoile. Bon, je le bute, c'est qui parle. Allez, mets-moi ta... Attention, la porte. Le mec qui parle depuis tout à l'heure, tu veux pas arrêter de parler en clutch là, sérieux? Laisse-le se concentrer. Mais non, j'ai envie de parler. C'est lui qui clutch. C'est lui qui parle qui clutch. Mais oui, voilà. Attends, vous êtes trop bête, c'est moi qui parle depuis tout à l'heure. De toute façon, t'avais peu de chance, hein, à moins que t'avais une boulot ou quelque chose comme ça. Allez, qui sa gueule. Hey Yoshi, à moins de rattraper la situation, on s'ajoute sur Steam, on parle tranquille après ou quoi? Y'a moyen de monnayer ou quoi? Tranquille hein. Après si tu veux, t'es le genre de meuf à accepter les carrés que je te mets global ou suprême. Y'a pas moyen, tu me payes, je te dis direct. De ouf, il part trop pour rien. Ah je crois qu'il aussi elle m'a mute pour le coup. Bon bah ça va partir sur ATK hein. Hey Yoshi, ajoute-moi sur Steam, la vie de ma mère. Yoshi, fais pas ça. Tranquille, on est entre potes. Friendzone. Et mon petit Bilal de 14 ans se fait friendzone. Je vais les planter maintenant. Je commence à voir quoi, les gars? Je commence à voir. Alors, le fait de parler comme ça me dérange un peu, étant donné que j'ai une voiture ou pas du tout. En plus, je suis toujours pas majeur. Eh, par contre, tous les autres, vous êtes tous négatifs. La vie de ma mère, vous êtes trop snas, tout nas, tous nas. S'il n'y avait pas eu les 4 kills, on n'en serait pas là. T'aurais pas 9 sur 8, 7. J'ai envie de Toulouse Axe, les mecs. Attends, je vais la TK un petit peu. Je vais, hein. Elle est où la meuf? On bat les couilles. Maman, c'est 2B en mid. Hein. Je prends l'oncle. Elle m'a mal parlé, la vie de ma mère, t'inquiète pas qu'elle va subir. Putain, mais par contre, je sais pas jouer A. Hein, CB. Par la nous ou par. Les gars, la spéciale. Par la nous ou faciale, je les mecs. Qu'est-ce qu'on lui met? On lui met tarif direct? Non, mais j'ai fait une putain de pause. On s'en bat les couilles, joue ta game. Toi, je t'encule. Merci. Ah ouais, tu me parles mal, direct. Ah ouais. Non, mais mieux pas, ils peuvent plus donner d'infos. Mais non, mais stop, arrêtez de vous. Non, mais elle parle mal. Okay. Allez, appelle. Je vois que t'as bien encaissé. Eh, tu l'as bien encaissé par derrière le chien. Fils de pute. Ah ouais, carrément. Non, pas de kick, s'il vous plaît. Merci. Le roi des cancers, gros, a tué comme ça, là, pour des fois. Oh putain, retour Windows, là, c'est bon. Et ouais, je me suis fait un gros retour Windows, donc je suis mort, non? Ouais, t'es mort, mais ce que je viens de mettre... Eh, t'étais sur ma vue, Loshi, pendant que t'étais morte, là? Non. Ah, t'as raté 3 kills de ouf. M'en fous. Putain de sa mère, de retour Windows! Tu vois, ça commence comme ça, tu vois, on se cherche un peu. Mais après, t'inquiète pas, on va s'ajouter. Je vais te présenter mon petit frère.
On va bien sympathiser, on va faire des matchs ensemble. Non, je vais pas t'ajouter, non. Non, mais en toute amitié, eh, y'a pas de l'amour, hein, y'a pas d'amour, hein, calme-toi. Non, non, mais j'ai pas envie d'aller en prison. T'as un gros pédo, ferme ta gueule. Eh, je suis pas un pédo, parle-moi bien, je te dis. La vérité, t'as pas une gueule de pédo. C'est même pas quoi je ressens, t'es sérieux. Oh, Rambo 4, t'as une voix de pédo en tout cas. Comment tu parles? Mais comment t'es une raciste de ouf en fait, je me rends compte. Eh, t'es le genre à être contre les burkinis ou quoi de Décathlon? Eh, t'es une anti-Décathlon ou quoi? Un short. Bah, Décathlon c'est pour les clochards quoi. Eh, va sucer à burkini alors. Je suis en rouge de ouf là depuis tout à l'heure les mecs. Je vais arrêter là-dessus les mecs, je suis trop en roue libre. Là il faut, là Derka il est en train de partir en couille, là je me connais, je vais... Ça va partir en vrille. Eh souffle, les meufs d'aujourd'hui à 14 ans c'est des rebelles, ça me casse les couilles, sérieux, la génération 2000. Eh frère, je peux plus. Mais elle est sérieuse la meuf là, elle a pris un MP5, eh ça fait pas de dommage ça. L'ancien MP5 c'est pas mal, ouais. Putain mais elle est pas à 4. Eh Pipo, arrête de me TK là. Y en a 2002. One tap. Ah, comment t'es morte comme une merde. Je suis mort, JPP, la vie de ma mère, je suis mort. Je m'en fous, je les mute maintenant, ça m'a saoulé. Eh, t'as rien servi au round, frère. Enfin, soeur. Petite soeur. Eh, démute-moi, tranquille, c'est bon, j'arrête. Eh, j'arrête de... Eh, tranquille, le chien, y'a moins de s'ajouter. Eh, j'ai un insta. Hey. Bon, les gars, pendant qu'elle m'a muté, les gars, on se trouve la game ou pas? J'avoue, je sais même pas comment je fais encore pour tenir dans cette game. Ceux qui sont en train de suivre ce live Twitch, bon, vous êtes en direct, donc dites-moi ce que je dois faire. Non, j'en peux pas. Et ceux qui sont sur YouTube, bah, abonnez-vous à ma chaîne. Okay. Hop, et fermez-la. Eh, sérieux, le mec, les personnes qui sont pas, qui m'ont pas mute, dites à la meuf de unmute, sinon la vie de WAM, je scroll la game, je m'en bats les couilles. Je fous tout en l'air. Tout ce que j'ai fait depuis le début, j'ai construit, je fous tout en l'air. Eh, dites-lui de me parler, on va. Je vais lui donner des placements en B, comment se placer. Dites-lui. Et on oublie tout ce qui s'est passé entre elle et moi. Tranquille, dites-lui. Sinon, on m'en bat les couilles. Je fous tout en l'air. Je scroll la game comme jamais. En l'air, zère. Après tout à l'heure, je vais voir une meuf. Je vais lui mettre dans le HUC, zère. La prochaine meuf que je, que je trouve sur le net, je lui mets dans le HUC, zère. Ça va. Dites-lui que c'est en A là. Putain, elle me casse les couilles, jamais une meuf aussi chelou. Allez hop, elle est morte comme une merde. Non, stop. Attends, y'en a qu'un seul de débile là-dedans. J'avoue. Mais quoi, mais j'ai rien fait moi. Me kickez pas. J'ai entendu ce que vous faites là, vous complotez. Non mais il a kické, il a quitté le... Ah il a rage kid ce bouffon. Ah je l'ai foutu le seum ce bâtard. Je suis mort. J'ai pépé, je suis mort. Par contre, à part le fait que t'es un gros fils de pute, sinon... Toi, parle-moi bien, parce que la vie de WAM... même t'es capable. Ferme ta gueule maintenant. Elle est sérieuse, la meuf. T'es sérieuse. T'es sérieuse, là. En plus, tu pars en loose-dé pour mourir comme une bite. Arrête de chanter, là. Arrête de chanter, ferme ta gueule. La 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 la. Ferme ta gueule, ferme-la. Je peux avoir la rage de ouf là. Je suis en train de rager. Ferme ta gueule là, t'es sérieux. Ferme ta putain de gueule là, gros, je vais te muter. Je te reporte, je m'en bats les couilles. Ferme ta gueule. Toi, mais c'est ça, rigole là. Rigole même pas, je te dis, rigole même. Je vais te mettre un coco. Je vais te mettre un point. Un coup de coude sur ton pubis, tu vas voir. Je vais te m'enfoncer, ça va te faire une deuxième schneck. Ça va te faire une deuxième schneck. Je vais te mettre un putain de coup de coude sur ton pubis. Allez, on s'amuse. Ça te bouffon, va. Parle pas. J'aime bien les carottes, comme ce que tu l'aimes. Fille ou pas fille, je vais te déchirer. La 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 la. Bon, oh. Ferme ta gueule. Nice. Yes, enfin il se casse. T'es sérieux là? Je me suis fait kicker là. Yes oui. Oh non, pardon mec. J'ai cru que c'était un méchant. Yes, le fils de pute est mort. Bah, du coup, tu peux te casser aussi du vocal en tant qu'affaire. GG. Ouais.
Ça l'a zermé de ouf là, non? Vous trouvez pas? Bon, c'est pas grave. Eh, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, hein. Et n'oubliez pas, on avait une fête, la fête zère. C'est qui Jean Bombard? Parce que c'est tout seul. Ciao, bon dimanche.